les jeunes, de façon générale, de par le monde, hein, pas uniquement au Maroc, constituent un réservoir, un immense réservoir, qui font vivre Internet et qui cohabitent dans Internet et qui utilisent Internet pour effectivement développer un nouveau lien social. Une autre manière d'être, de faire et d'entrer en relation avec les autres. Et ceci pour atteindre généralement trois grands objectifs qui sont des objectifs portés par chaque jeune qui utilise Internet. Le premier, c'est d'abord s'informer, comme vous le savez. Internet est un formidable outil d'information. Le problème dans Internet aujourd'hui, ce n'est pas tellement de trouver de l'information, mais c'est de trier l'information pertinente, qui est capable effectivement de contribuer à répondre aux questions qu'on se pose. Le deuxième objectif pour les jeunes dans l'utilisation d'Internet, c'est d'échanger. D'échanger avec les autres. Immédiatement, en live, carrément en live, soit de façon anonyme, soit de façon identifiée. Et de le faire dans une sorte de, comment dire, de confort personnel, contrairement par exemple à l'utilisation d'autres moyens de communication, et particulièrement la communication classique, en face à face. Lorsqu'on est devant son clavier, en utilisant la toile, Internet et les réseaux sociaux, il est évident qu'on a beaucoup plus de confort à titre individuel pour nous exprimer et donc contribuer à un échange pour la réalisation de soi de façon subjective, narcissique aussi, mais aussi pour échanger sur des questions plus globales et plus collectives.